les internautes. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup plus ma première vidéo hein, qui seront mes résolutions 2017, c'est dans le titre de la vidéo en fait du coup. Résolution numéro 1, dormir. Parce que dormir c'est très bien. Non, allez, plus concrètement, ce que je veux dire c'est aller se coucher plus tôt. Parce que je fais partie des personnes qui vont se coucher très très tard et qui ont en moyenne 6 heures de sommeil par nuit quand on n'abuse pas. Résolution numéro 2, sortir des vidéos à temps. Parce que c'est quand même important que les vidéos elles soient à l'heure. Pas faire comme l'MDR de Jigme. MDR. Résolution. Oh, vraiment, voilà, derrière. Résolution numéro 3, devenir belle. Parce que il serait temps quand même, hein. On se sent plus beau à côté. Résolution numéro 4, ranger sa chambre. Je suis très bordélique en fait. Il serait temps de faire quelque chose. Résolution numéro 5, être plus ordonnée. Parce que d'abord si j'écris mes vidéos à l'avance et tout ça, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo et d'avoir une vie plus facile, tout ça. Résolution numéro 6, apprendre à faire du montage. Parce que c'est quand même important. Parce que là j'ai la grosse aide du roux là. Tu voyais le roux. Le roux là qui est roux, parce qu'il est roux. Donc voilà, ce serait quand même important que j'apprenne à faire du montage. C'est quand même la base, une vidéo avec un montage. Résolution numéro 7, me donner à fond dans la musique en fait. Parce que l'année passée, j'avais arrêté le chant pendant un an. C'est quand même important que je continue la musique parce que c'est ma principale passion. Et que je me donne à fond dedans, vu que c'est quand même le thème principal de mes vidéos. Voilà. Résolution numéro 8, reprendre la lecture. Parce que avant je lisais beaucoup en primaire. Il serait temps que je me redonne à fond là-dedans. Parce que. T'es devenu conne comme un cul. Exactement, Laurent. Merci de ton intervention. Voilà, donc si vous avez des petits livres, des petits mangas aussi, des mangas en l'occurrence, dites-le en commentaire comme ça. Résolution numéro 9, prendre soin de moi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la peau très 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 sèche. Du coup, faut que je fasse quelque chose à ce propos. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Résolution numéro 10, me consacrer plus de temps. Enfin, je veux dire, ne pas oublier ses potes, la famille, tout ça, si si, la famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est me donner plus à fond dans mes passions et consacrer du temps pour ça parce que je suis souvent en dehors avec des potes et c'est vrai que des fois j'ai pas trop le temps pour moi et que c'est quand même important. Résolution numéro 11. Oh, un carambar. Combien? Ne pas grignoter entre les repas. Je suis une grosse, 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 grosse bouffeuse. What's up avec les biscuits? What's up avec les biscuits? Yeah. Mais les oreos. Oh, les oreos. Et je grignote tout le temps, les repas. Ce qui fait que au repas, ben, j'ai plus trop faim. Alors je mange pas. Et après je grignote. Et du coup, c'est pas bien ça. Parce qu'en fait, on m'a dit que c'était pas très bon pour la santé. Du coup. Voilà. Résolution numéro 12, visiter des lieux et vlogger ça. Et quand je dis visiter des lieux, je veux dire si je vais à un festival, si je vais à l'Incroc et tout, la famille, bah vlogger ça une fois que j'ai jamais vlogué. Et du coup, ça peut être peut-être chouette de vlogger. Après, je sais pas, peut-être que ça va être nul et que ça va pas me plaire, mais en ce cas, je vous le dirai. Résolution numéro 13, interagir avec les abos et tout, répondre aux petits commentaires et tout, la famille et tout, parce que c'est la base. Résolution numéro 14, faire ma chambre. Quand je dis faire ma chambre, je veux pas dire ranger parce que ça je l'ai déjà dit, mais je veux dire la refaire et racheter des meubles et tout ça parce que là il serait temps. Et résolution numéro 15, bouffer. Parce que la bouffe c'est la vie, que j'aime bien bouffer. Non, quand je veux dire bouffer, je veux dire prendre un petit déjeuner, c'est important, et manger les repas et pas entre. Et du coup, c'est tout pour ma vidéo, parce que là, ça commence à faire long. Du coup, ben, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Et puis, ciao pour une nouvelle vidéo.